J'ai couru. J'ai beaucoup couru. Pardon, attendez. Désolée pour le retard. Vous savez, quand on a des occupations, c'est comme ça. J'ai même déjà chaud. Voilà, bonsoir à tous. Voilà, désolée d'être un peu en retard parce que, comme vous avez vu l'ouverture de la boutique, c'était... Faut partager, hein, pour partager, c'est comme ça. Quand vous êtes chez Makoso, chez le général, vous partagez, non? Quand vous êtes chez le général, vous partagez, partagez partout. Ça doit arriver à bon port, jusqu'à la présidence. Attendez. Je bloque quelqu'un. Voilà, je l'ai bloqué. Quelqu'un qui vient me parler encore. Hop, je te bloque. Vous savez que j'aime pas quand le sujet de ce soir est... Ma faute doit aller au Bénin pour régler ça avec de laisser le travail. Avant de laisser, je te bloque. Non, pourquoi je vais te bloquer? Je te bloque pas. Aïe, je vous assure que j'ai chaud. Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Désolée d'être en retard. Pour vous dire, je n'ai même pas encore, j'ai même pas mangé. L'histoire de ce soir, c'est taper d'eau. Taper d'eau, escroquerie, escroquerie, taper d'eau, escroquerie. Jusqu'à la fille fait déjà les posters dans une maison qui ne l'appartient pas. On peut entrer dans une maison où on n'a pas conçu jusqu'à faire les posters, Adama. Quelqu'un me dit que, ouais, pardon, ne m'amenez pas encore. Ne m'embrouillez pas, hein, parce qu'on ne va même pas perdre le temps. Ce qu'on vous demande, c'est de partager. C'est ça qui est important. Voilà, avant de commencer le direct, je tenais déjà à saluer toutes ces personnes-là qui sont connectées ce soir. Et merci toujours de me faire confiance, de faire confiance à la seule chaîne de télé qui ne trompe pas ses auditeurs. La ch seule chaîne de télé toujours à temps et en heure. Donc, je tenais à vous remercier par rapport à ça. Vraiment, merci. Merci d'avoir cru en moi. Vous avez vu que nous avons la boutique déjà à Creil. L'habilleuse boutique FDL et qui est à Creil. Ça, c'est un message directement à mes détracteurs en disant, vous avez toujours cherché à me mettre, comment on dit là, 5 mètres sur sol, pour cette sur terre. Mais j'ai décidé de ne plus parler trop de mes projets. Voilà, parce que chaque fois qu'on parle des projets, après, il y a toujours un truc. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire et puis vous découvrez vous-même. Et surtout, j'aimerais dire aux chefs d'entreprise, tous ceux qui sont en France, ceux qui essayent de faire quelque chose, j'aimerais surtout vous dire que en France, on peut changer de nom à tout moment, le nom de son entreprise. Si vous voyez qu'un nom vous apporte peut-être des problèmes, vous changez, vous faites autre chose, vous mettez autre chose.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ce pays et tout. Donc, l'habilleuse boutique est désormais disponible en face de la gare de Creil. Voilà, en face de la gare de Creil, vous pouvez aller directement sur place pour choisir tout ce qui vous plaît, pour choisir les vêtements, tout ce qui vous plaît. Prochaine étape sera peut-être le restaurant, qui sait. Nous avons beaucoup de projets, mais comme je dis, on a décidé de ne plus trop parler de nos projets. Mais la prochaine chose que nous allons réaliser sera l'ouverture d'un restaurant. Voilà, très bien. On fait tout doucement. On fait tout doucement et bien. Et j'ai compris que, en fait, je ne vais plus trop me mettre devant certaines choses. Voilà. Je ne vais plus trop me mettre devant certaines choses. Merci pour tous ceux qui envoient les félicitations. C'est quel Creil? À Creil, Île-de-France. Oui, juste de la gare du Nord, vous prenez le RER D. Vous descendez à la gare de Creil, juste en face. En face de la gare. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas vous tromper. L'habilleuse boutique. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Ce week-end, il y aura un live spécial anniversaire de la reine-mère et vous aurez des prix, les prix vraiment incroyables à l'occasion de l'anniversaire de la reine-mère qui est jeudi. Voilà, mon anniversaire ce jeudi. J'ai demandé à ma directrice, d'ailleurs, je remercie ma directrice et toute mon équipe. Ma directrice qui m'a toujours soutenue, qui a toujours été là. Elle est là, elle commente avec le compte de la boutique. Donc, je te remercie d'être toujours là. Tu as cru en moi. Tu m'as fait des propositions de projets. Tu m'accompagnes depuis le départ. Je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés. Je voulais parler un peu de toi. La première fois que j'ai rencontré ma directrice, c'est une personne qui m'a beaucoup suivie sur les réseaux sociaux avant et que son père, c'est mon, on va dire, c'est mon oncle. Moi, je ne la connaissais pas, mais je connaissais son père. Et un jour, papa m'a contacté. Pendant 2 ans, il me disait, je vais te rencontrer et tout. Et je tournais toujours. Un jour comme ça, là, il a donné son numéro que appelle ta soeur, elle veut te voir. On s'est rencontrés au Coq Noir. On s'est rencontrés au Coq Noir. J'étais avec Dieu éternel. Elle m'a dit, je suis ta soeur. Elle m'a parlé. Elle m'a dit, je veux ton évolution. Je vais te proposer beaucoup de choses. Il faut que tu avances. Parce que je sortais d'une déception d'une amie qui m'avait trompée. Et elle a vu, ça lui a fait tellement mal. Elle m'a dit, voilà le projet que je te propose. Je veux que tu avances. Je veux ton évolution. Je ne chercherai jamais que tu coules. Je vais t'accompagner dans ce que tu fais. Je n'attends pas un salaire. Je te fais ça comme ça. Vous avez vu comment on a commencé, on était loin, elle a cherché les locaux, on a beaucoup galéré, ça n'a jamais été vraiment facile, mais on se bat et on croit, on croise les doigts et aujourd'hui, elle est toujours là, malgré les hauts et les bas, elle est toujours là. La procédure judiciaire qu'on a vécue pendant 3 ans, ça nous a complètement, ça nous a asphyxiés, malgré que j'ai gagné cette procédure judiciaire. Mais j'ai vu que le montant que mon ex-copine, la justice avait décidé qu'elle me donne une somme d'argent. Et j'ai trouvé que cette somme était tellement insignifiante par rapport à tout ce que j'avais mis en jeu pour les avocats. Je n'ai jamais pris un 5 franc. Donc ces chèques même sont rentrés rejetés parce que j'ai refusé de toucher les chèques. Je n'ai pas pris les chèques qu'elle a envoyés. J'ai dit avec tout ce que j'ai perdu dans ce procès, tout ce que j'ai perdu, j'ai essayé, je n'ai pas pris son argent. Elle le sait. Il y a un chèque qui a été envoyé parce que les chèques étaient envoyés chez les avocats. Elle-même avait appelé en disant, mais comment se fait-il que tu ne touches pas les chèques? Tu n'as pas toujours touché les chèques jusqu'à aujourd'hui, comment? Et je n'ai jamais touché un centime malgré que j'ai gagné le procès. Parce que j'ai vu que cette somme d'argent était insignifiante par rapport à tout ce que j'avais dépensé. Je n'ai pas pris le... Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Je n'ai pas pris dans le... Je vais bloquer ici. Je n'ai pas pris le... Je n'ai rien pris. Elle le sait, je n'ai jamais pris un 5 francs. Malgré que j'avais gagné le procès, je n'ai rien pris. J'ai dit que ça sert à quoi? Elle m'a plombé. J'ai passé des 3 ans de poursuite judiciaire.
Je vais prendre ça pour faire quoi? Je n'ai rien pris, hein. Je n'ai même pas touché. Parce que quand tu touches le chèque de quelqu'un, la personne voit que tu as pris l'argent. Donc, je n'ai pas pris et tout. J'ai considéré que j'ai perdu. Mais je ne baisse pas les bras parce que quand tu t'engages dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que tu peux gagner comme tu peux perdre. Donc, on paye ici, on essaye ailleurs. Ça ne peut pas me décourager de continuer à faire ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, je tenais à remercier tous ceux qui m'accompagnent depuis des années. Il y a des gens qui se disent, mais on la voit, elle ne fait même pas la publicité. Non. Maintenant, j'ai mon système. Voilà, donc j'ai mon système, j'ai des personnes qui sont là, qui travaillent pour l'entreprise et tout. Et voilà quoi. De temps en temps, je parle. Mais c'est plus le genre que tous les jours, je viens parler, non. Je préfère que mes détracteurs voient que je suis à terre. Parce que comme l'Africain aime voir quand tu tombes, l'Africain aime voir quand tu es à terre. Donc, autant mieux les montrer que je suis à terre, autant mieux gérer comme ça que je suis à terre. Pour moi, c'est ce que je pense, hein, que c'est mieux souvent de montrer qu'on est, de gérer comme ça. Donc, je n'ai jamais pris ces 1 centime parce que je me suis dit que quelqu'un qui m'a fait chuter, on va en procédure, je sais, 3 ans, je gagne le procès, elle me paye de l'argent. Si je prends cet argent, c'est pour faire quoi? Je vais mettre dans ma poche, ça va encore m'assombrir. Je n'ai jamais pris 1 centime. C'est un peu ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, que je n'ai jamais pris 1 centime. Je n'ai pas touché l'échec. Rien du tout. Voilà, l'histoire de ce soir, c'est l'histoire d'une dame. L'histoire de ce soir, c'est l'histoire d'une dame qui a rencontré son mari il y a de cela 20 ans. Ils ont commencé ensemble, à vivre ensemble, ils ont 4 enfants. Et c'est une histoire qui m'a fait très mal, ça m'a beaucoup touchée. J'ai remarqué qu'elle m'avait beaucoup écrit avant, mais des fois je ne regarde pas forcément les messages sur mon téléphone. Mais ce matin, comme ça, là, par hasard, elle essayait de m'appeler, j'ai décroché, on a parlé. Elle m'a fait part de son problème. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. J'ai même dit, tu ne payeras pas les droits de passage à la PDG TV. Parce que pour passer à ma télé, on paye les droits de passage. Tellement son histoire m'a fait mal que j'ai dit que tu vas passer gratuitement sur ma chaîne de télé. Et les gens, ça sera même une sensibilisation pour ceux qui investissent avec des hommes en leur faisant confiance. Cette dame, elle est Sierra Leone, Sierra Leonaise. La Sierra Leone, c'est parce qu'elle n'est pas camerounaise. Elle a rencontré son mari et elle a cru en son mari. Elle a tellement cru à son mari, elle a fait confiance aveuglément. Un Camerounais. Je ne veux pas donner son village parce que si je donne son village, les gens vont dire que oui, il ne fallait pas dire d'où le gars vient. Il fallait seulement dire qu'il est Camerounais parce que si tu commences à donner son village, ça veut dire que tu es tribaliste. Donc du coup, je ne vais pas donner le village du gars. Je vais seulement dire qu'il est Camerounais. Mes chers frères et sœurs, ils ont 4 enfants. Elle a cru en lui. Elle a choisi son mari à sa famille, malgré que sa famille était contre. Parce que vous voyez là que c'est 2 pays différents. Une femme qui va se marier dans un autre pays, autre, ce n'est jamais facile. Elle a dit à sa famille, je choisis mon mari, je choisis le Cameroun. Elle a commencé sa vie avec son mari camerounais. Camerounais du village. Elle a cru à son mari. Elle a tellement aimé son mari que vous ne pouvez pas imaginer. Elle a aimé son mari aveuglément. Elle a fait confiance parce que elle se disait que pour la vie, pour l'amour, pour l'éternité, comme on entend les jours des mariages ici dehors, pour la vie, pour toujours, pour l'éternité et pour toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est comme ça qu'on dit qu'on donne l'alliance. C'est comme ça alors que envoyer les cœurs et partager, ça qui est important. Je développe d'abord, je coupe, après on me lance maintenant, elle va venir. Je vais d'abord perdre un peu un moment. Je suis bloquée. Ouais. Vous
me dit de bloquer. Je fais deux travaux en même temps comme ça là. Ouais. Je ne veux pas qu'on m'appelle comme ça la nuit. Hein. Vous, les gens du Cameroun, là, c'est comment? Je ne prends pas. Je ne prends pas. Les gens du Cameroun, là, je ne peux pas prendre le téléphone d'abord. Je ne prends pas d'abord le téléphone. Désolée, je ne prends pas le téléphone. Donc, la dame a décidé de construire sa vie avec son mari malgré les hauts et les bas. Jusqu'à elle a fait confiance, aller au Cameroun, investir pour construire la maison, maman. La grosse maison que vous voyez là. La maison est finie. La femme là n'a pas encore dormi une nuit sur ça. C'est une autre femme qui est entrée s'asseoir. Adama, on peut être aussi méchant. Jusqu'à la fille, on est allé chercher une fille au village, venir la positionner dans la maison. Jusqu'à ce qu'elle mette derrière, elle fait derrière les posters. Regardez les posters. Toi, la jeune fille qui est dans cette maison, maman, tu as conçu la maison quand? Ma petite. Pourquoi vous, les filles au Cameroun, vous avez le gros cœur comme ça? Tu vois une grosse maison de trois niveaux conçue sur 700 mètres carrés. Tu vas t'asseoir ce que tu fais. Tu te mets au salon ce que tu fais les posters comme ça, mamie. On fait ça. Tu pouvais même dire à cet homme-là que non, reste avec ta femme. Moi, je vais être même deuxième femme. Mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter l'histoire. On va laisser elle-même va raconter. Voilà que l'homme-là l'a laissé même avec les dettes. J'ai les papiers. L'homme l'a laissé avec les dettes en France. On l'a laissé avec les dettes. La femme est allée vivre un an au Cameroun avec ses enfants pour construire la maison. Hein. Elle allait même habiter au Cameroun pour faire le chantier avec tous ses enfants. Entre-temps, elle a laissé le mari. Le mari a dit, avance au Cameroun, je vais venir te suivre et tout. Elle a tapé un an là-bas. L'homme là n'est jamais venu. Il n'est pas venu. Il est resté en France. Il ne payait pas le loyer. Un an sans payer le loyer. Après, dès qu'elle a fini la maison de construire, elle est rentrée en France. Le monsieur a dit, ok, je m'en vais donc faire les finitions. Maman, il allait faire les finitions. Comme il a fini, la femme là n'a même pas encore vu sa maison, que les finitions, c'est comment. Il y a une autre femme qui habite dans la maison. Il a dit à la femme là que, et alors, ça fait quoi? Il a dit à sa femme officiellement mariée que, je ne t'aime plus, commencez à voir ses défauts. Commencer à voir ses défauts, l'insulter jusqu'à ce que la pauvre femme, il est rentré au Cameroun là même il y a 2 jours. Rentré en laissant les loyers impayés. Il a fait la femme là, vous savez qu'en France, quand tu as les enfants, non, n'est-ce pas la CAF, on sait que tu es là. On te verse ses allocations familiales. Entre-temps, l'Angala, la femme, elle est partie au Cameroun sans prévenir l'État. Elle est partie sans prévenir l'État qu'elle est go. Donc, il y a eu le trop perçu. Elle doit 21 000 euros au gouvernement. Parce que quand on a su qu'elle n'était pas dans la maison, non. La CAF a coupé tout, qu'on ne paye plus son loyer. Vous savez que quand tu as les enfants mineurs, quand tu as les enfants ici en Europe, tu es devant, on t'aide. Hein? Quand maintenant tu quittes, comme beaucoup de gens, vous aimez entendre que vous partez habiter au pays avec vos enfants. Quand vous partez, on se suis déclaré au gouvernement que nous sommes rentrés au co pour qu'on ne donne plus rien. Et sachez que ici en France, c'est les voisins souvent qui trahissent. Les blancs sont Congo, ça jusqu'à demain. Une maison qui a 4 enfants, si à un moment donné on ne voit plus personne, les voisins ils voient tout. Hein. Il y a des voisins que tu ne vois jamais ton voisin, mais ils guettent par la fenêtre. Il connaît tes mouvements. Les blancs que vous voyez là, ils bavardent beaucoup. Les blancs que vous voyez là, c'est eux qui trahissent souvent que tel n'est pas là. Quand on vient se renseigner, madame, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Tu vas aller voir, ouais, ben écoutez, ça fait déjà un an, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'enfants. Un jour, ils sont sortis avec beaucoup de bagages. On dirait qu'ils allaient en Afrique. Ils avaient beaucoup de bagages. Ben écoutez, mais ça ne nous regarde pas. Entre-temps, ils sont en train de te balancer. Tu ne sais pas qui t'a trahi. Donc, il y a eu le trop perçu de la CAF. Donc, on devait maintenant l'exclusser. C'est comme ça que
l'exclusion. Alors, quand le monsieur part au Cameroun pour les finitions, la femme rentre donc en bain. Elle arrive ici, on dit qu'on va l'exclure, elle doit 21 000 euros qu'elle doit payer. Elle commence à faire les négociations. On dit, la CAF dit que vous n'étiez pas en France. Pendant tel nombre de temps, vous n'étiez pas en France et vous n'avez jamais payé le loyer. Votre loyer n'a jamais été payé durant tout le temps qu'elle était en France en train de construire la grosse maison que vous voyez. On peut être méchant comme ça. Un homme qui a 4 enfants, une femme qui s'est couchée 4 fois sur un lit d'hôpital pour te faire 4 enfants. Le premier enfant a 18 ans. Donc, vous pouvez voir que c'est un vieux couple. Est-ce que c'est gentil? Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? On ne refuse pas aux hommes d'aller draguer, d'aller chercher les femmes de gauche à droite. Mais, vous les hommes-là, ce que vous faites aux femmes, si maintenant toi, un homme, tu finis de construire la maison à une femme, elle vient habiter là avec un autre homme, tu vas accepter, tu vas te sentir comment? Hein? Ça, c'est chercher à donner la WC à cette femme. Si, comment une femme peut construire là, elle vit avec toi plus de 20 ans. Vous finissez de faire votre projet au Cameroun, au moment où elle va aussi aller se coucher dans sa maison neuve. Tu prends quelqu'un d'autre, tu mets et tu lui dis qu'elle fiche le camp, que tu ne la veux plus. C'est comme ça qu'il est rentré. Il habite là-bas au Cameroun avec une fille qu'ils ont pris au village. Elle est là, elle fait les posters. Elle m'a dit ce matin que hier, elle a appelé son mari. La fille parlait derrière. Pourquoi les filles au Cameroun ont le gros cœur comme ça? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les filles, même quand vous êtes mariées à un homme, il vous dit que voici le terrain. Tu lui dis que montre le papier. Si le papier est que à son nom, le titre foncier, tu lui dis que achetons à deux. Ou bien tu dis qu'il met ton nom dans le titre foncier là. Les hommes que vous voyez là, c'est sans confiance. Quand tu es amoureux d'un homme, tu ne sais pas ce que. Il te dit toujours que pour la vie, pour toujours l'éternité, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Comme vous voyez là. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur que ça fait. Cette femme est. Ça dit que moi, je vois que son problème, c'est parce qu'elle n'est pas camerounaise. Oui. Si c'était une camerounaise, il pouvait lui faire ça. Parce qu'il voit que c'est une étrangère. Mais c'est un être humain. Tu ne peux pas faire ça à l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas normal, ce n'est pas gentil. Tu es allé trop loin, mon frère. Ressaisis-toi et enlève cette femme de ta maison jusqu'à elle fait les photos, elle poste. C'est toi qui lui donnes. Il faut qu'il vende la maison, il donne la part de la femme. Et il a dit à la femme là que si elle tente de mettre les pieds au Cameroun, il finit avec elle. Il a dit qu'il ne veut même pas la voir au Cameroun. Il est rentré définitivement. Mbeng est fini pour lui. Il a dit à la femme là que si tu mets les pieds au Cameroun, je finis avec toi. Donc je ne veux même pas te voir ici au Cameroun. Mes soeurs, même quand vous êtes amoureux d'un homme, ne faites pas confiance. Donc quand tu rencontres un homme, il te dit que c'est pour vous deux. Il faut qu'il y ait vos deux noms. Même ici en Europe, quand tu habites avec un homme, il faut qu'il mette ton nom dans le bail. Sinon, chaque fois, comme ça, quand tu habites avec une femme ici, il faut qu'elle mette ton nom dans le bail. Sinon, chaque fois, ça serait tout que sors de ma maison, sors de la maison. C'est le chantage de certaines personnes ici en Europe. Les filles, n'allez plus investir sur le terrain des hommes comme ça. Un gars te dit que faisons à deux. Tu as vu le papier? Hein? Vous êtes là ce soir, vous êtes avec vos maris, vous êtes en train de regarder vos maris, vous êtes en train de guetter. Le gars te dit que n'écoute pas Fleur de Lys parce que ce qu'elle est en train de dire là, ce n'est pas bien. Ce que je suis en train de dire, c'est bien. Quelque chose qui n'a pas ton nom ne t'appartient pas. Certes, ils sont officiellement mariés, mais ici, en Europe, on connaît la magouille du pays là-bas. On connaît la magouille en Afrique. Attendez, je l'appelle. Pardon, ayez le cœur vraiment. Je vais l'appeler là. Je l'appelle.
Je demande si elle appelle en vidéo ou bien. Vous voulez que je l'appelle en vidéo? Je vais lui demander. Oui, ma grande. Bonjour, ma puce. Est-ce que tu veux que je t'appelle en vidéo, que tu parles en vidéo, on te voit? C'est pas la peine, d'accord, très bien. Bon, je te mets en ligne, hein. D'accord, vas-y, on t'écoute. D'accord. Bonsoir à tous. Personnellement, ce n'est pas. Je sais que j'ai vu des commentaires qui sont désagréables. Non, ne regarde pas les commentaires, s'il te plaît. Moi, ce que je vais te dire là maintenant, c'est que tu n'as pas à regarder les commentaires. Parce que si tu regardes les commentaires, tu ne pourras pas faire ce live. Quand on décide de venir parler de son, on ne regarde pas parce que tout le monde n'est pas content. Tu n'es pas sûr si c'est toujours. Ça peut tout être ton mari qui envoie ces gens pour te déstabiliser en commentaire. Donc, je préfère que tu parles sans regarder les commentaires. Est-ce que tu as un téléphone à tes côtés? Oui. Non, je ne veux pas que tu regardes ce que les gens disent. Est-ce que tu peux Ah non, quitter j'ai enlevé la vidéo. J'ai enlevé comment le ça s'appelle? direct? Facebook, j'ai enlevé. D'accord, très J'ai bien. enlevé. Ok, on t'écoute. D'accord. Ben, j'ai connu mon mari il y a 20 ans de cela, on était jeunes, il avait 23 ans et moi j'avais 22 ans. Et quand je l'ai rencontré, c'était un SDF en France, je suis désolée de le dire. C'était un SDF, il n'avait pas où habiter, il dormait de gauche à droite chez ses potes. Et après, quand on s'est rencontrés, on s'aimait, moi j'avais mon petit studio, on a commencé à sortir ensemble, on travaillait. Et on a commencé à faire nos projets ensemble. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait à peu près les mêmes projets, mais vu qu'on ne vient pas du même pays, on s'est dit, on va faire comment? Et moi, personnellement, il m'a ramené au Cameroun. J'ai bien aimé le Cameroun. Et c'est cette période qu'on a décidé, on a acheté le terrain. C'était en Dès quelle qu'on a année, acheté s'il te le... plaît? La première fois que je suis partie au Cameroun, c'était en 2008. D'accord. Quand notre troisième enfant avait 1 an, d'ailleurs, elle a fêté ses 1 an là-bas. Donc, j'ai découvert le Cameroun et j'ai bien aimé le Cameroun. On a acheté le terrain. Dès qu'on est rentré, aussitôt, on a commencé la construction. Pendant des années, on a construit la maison. Mais en dehors de ça, on a aussi ouvert une société qui s'appelle Eden Company. On achète les choses en France et on ramène au Cameroun, on vend. Et cette société-là, par rapport au commerce-là, j'ai investi 7 000 euros dedans parce que mon mari, il avait la marchandise dans la main, il avait plein de propositions, mais il n'avait pas de liquidité, et c'est moi qui avais de l'argent. Donc j'ai investi mes 7 000 euros dedans fin 2017. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il m'a pas encore donné 1 euro là-dessus. Donc, on a construit la maison, on faisait des va-et-vient. La plupart du temps, parfois même, je partais seule au Cameroun et tout, je faisais ce que je pouvais faire. Et la dernière fois, finalement, on a décidé de rentrer avec les enfants, d'aller faire 1 an sur place. Si ça nous plaît, on reste. On est rentré et il a dit, vous partez en septembre et moi, je vous suis en décembre. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis arrivée et il a commencé les problèmes. Finalement, à chaque fois, c'était des problèmes. On l'attendait en décembre, il n'est pas arrivé. Et finalement, il a été catégorique pour dire qu'il ne viendra pas. Et à un moment donné, comme ses enfants l'harcelaient, il dit, OK, je vais venir, je vais venir. Et c'est là qu'il y a eu le problème de COVID, ils ont fermé les frontières. J'ai dit, OK, c'est pas grave. Mais j'ai beaucoup souffert à un moment donné, parce qu'il y avait des moments où il nous abandonnait. Parfois, j'étais obligée de pleurer chez la mater, chez sa mère, pour que parfois sa mère l'appelle pour dire que non, mais il faut vraiment, arrête, fais comme ça, fais comme ça. Mais sinon, il y avait des moments où il nous abandonnait pendant des mois et des mois. C'était extrêmement difficile pour moi. Et après, finalement, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, je me suis rendu compte qu'en fait, dans la maison, il avait mis des chambres en location. Et après, je lui ai demandé, et c'en est où pour les loyers? Il a dit, oh, c'est pas grave, je m'en occupe. Excuse-moi, Mais c'est pardon, je vais te après. couper. Tu parles de quelle chambre? Quand tu es rentré en France? Oui, en France, il avait mis les chambres en location puisqu'il était seul dans la maison. Donc, il avait mis les chambres en location. Il dormait dans le garage. Ok. Donc, pendant que Oui. tu étais au Cameroun durant toute cette année, il avait mis la maison en Oui. location, vos chambres en location. Oui. Oui, mais il ne payait pas le loyer pendant 1 an. Donc, la facture des loyers impayés s'élève à 21 000 euros. Et c'est quand il venait de descendre que j'ai reçu les courriers de la justice. Plusieurs fois, il a été convoqué. Il n'est pas parti. Et c'est moi qui suis partie. Enfin, je l'ai appelé. Il a dit, oh, mais ne t'inquiète pas, vas-y, dis-leur que je suis là et que je vais arriver bientôt. Et je suis D'accord, partie. Je vais. excuse-moi de te couper. Donc, c'est quand lui part au Cameroun maintenant que tu restes découvert, comme il est parti là, que tu restes découvert qu'au fait, tu as des problèmes de loyer impayé. Oui, 21 000 euros.
Et après, moi, je suis partie au tribunal, je me suis battue comme je pouvais et le Seigneur, il a fait grâce, on ne nous a pas expulsés. Et après, il est revenu. Quand il est revenu, il avait commencé à payer les loyers et en même temps, je me bats avec la CAF pour que la CAF débloque les APL parce qu'ils avaient coupé les APL. Vu qu'ils ne payaient plus, ils avaient coupé. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me bats pour ça, pour que les APL se débloquent. Parce que la maison coûte extrêmement cher, c'est 1200 euros. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas payer. Donc, je suis obligée de faire les démarches pour récupérer mes APL. Et c'est quand il est revenu dernièrement, finalement, qu'en fait, il a laissé une femme dans la maison. Parce qu'apparemment, il a rencontré cette femme vers les novembre de l'année dernière. Et vers décembre, la fille, elle a commencé à fréquenter la maison vers décembre. Et c'est au mois de février qu'elle s'est installée officiellement dans la maison. Et j'étais au courant de rien. Et certaines personnes lui ont fait des reproches. Il a dit, mais ne vous inquiétez pas, ma femme, elle est au courant. De toute façon, elle m'autorise à prendre une deuxième femme. Et ça, pour ça, il a raison. Il n'y a pas de souci. Il m'a toujours dit, moi, je suis un Bamiléké, j'aurai deux femmes. J'ai Il fait, est OK, il n'y a pas de bamiléké d'où? souci. De Bafan. Et la fille aussi, elle est de Bafan. Hey. Non, je ne dis rien, Bon. maman parle. Et après, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Si tu veux absolument prendre une deuxième femme, une femme de ton pays, il n'y a pas de problème. Tu te démerdes avec elle, tu trouves un endroit où tu peux la loger au Cameroun. Mais par contre, tu sais très bien que tu ne pourras pas la ramener dans la maison que nous avons bâtie ensemble. Il a juré devant Dieu que pour rien au monde, il peut faire ça, qu'il n'est pas fou. Parce que la maison, là, ce n'est pas que pour lui et moi, c'est aussi pour nos enfants. C'est une maison familiale. Mais dernièrement, j'apprends qu'il y a une femme dans cette maison. Je passe par mes connaissances dans le quartier pour vérifier, à savoir si c'est vrai. Et bien, effectivement, cette fille est là à la maison. J'ai fait un appel vidéo sur le téléphone de ma copine par WhatsApp. Je l'ai vue, j'ai parlé avec elle. Donc, je lui ai demandé de quitter cette maison, que ce n'est pas chez elle. Si Patrick l'aime, eh bien, il n'a qu'à lui trouver un appartement quelque part ou une villa, je ne sais pas comment elle veut, même un château. Mais là, par contre, elle n'a pas le droit d'être là parce que cette maison, je l'ai bâtie dans la souffrance avec mon mari et que ce n'est pas possible. Elle a dit qu'elle n'a rien à me dire et que ce n'est pas moi qui l'ai mise là. Donc, je n'ai rien à lui dire et elle n'a pas à répondre à mes questions. C'est ce qu'elle m'a dit. Et après, finalement, je me suis retournée contre mon mari parce qu'il était encore là. Il est en train de faire il est en train d'emballer ses affaires pour envoyer par fret. Je me suis retournée contre lui et il est venu à la maison. Quand il est venu à la maison, les enfants savaient que j'étais déjà sur les nerfs. Et j'arrive, on commence à en parler. Après, je lui ai dit, mais tu te souviens de tes promesses et tout? Il dit, ah, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et alors? Et alors, j'ai dit, mais tu n'as pas le droit, parce que ce n'est pas que chez toi. Il dit, mais est-ce qu'il y a ton nom sur les papiers? J'ai dit, mais je suis ton épouse, Patrick. Tu n'as pas le droit, ce n'est pas humain. Tu n'as pas... J'ai dit, on a à peine fini la maison, donc tu n'as pas le droit de faire ça, c'est quand même cruel. Il a dit, mais tu t'imaginais quoi? Ah Que bon, j'allais hein? finir ma vie avec... Oui. Oui, tu t'imaginais quoi? Que j'allais finir ma vie avec une saleté comme toi, devant les enfants, hein? Avec une merde comme toi. Et c'est là que j'ai dit, ah bon? Il a dit oui et je me suis retournée pour aller chercher le couteau dans la cuisine. C'est là que mes enfants, ils m'ont coincée, ils m'ont traînée dans les escaliers, ils sont partis m'enfermer dans la chambre. Parce que ce jour-là, personnellement, si les enfants, ils n'étaient pas là, j'allais le tuer. Juste par rapport aux phrases qu'il m'avait sorties. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Et je lui ai dit, franchement, toi et moi, on ne peut pas rester sous le même toit parce que tu sais que ces derniers temps, d'ailleurs, tu as arrêté de payer le loyer. Et là, maintenant, j'ai bien compris pour quelles raisons tu ne le faisais pas. Et j'ai compris pour quelles raisons, quand tu venais d'arriver, tu avais du mal à avoir des rapports intimes avec moi. Tu bondais plus. Mon mari, en 20 ans, c'est la première fois que mon mari rentre du Cameroun. Impossible d'avoir les rapports intimes. Mon mari ne bonde pas. Merde, c'est Ça, pas c'est quand possible. Les même, filles du c'est Cameroun quelque la chose qui pratiquent, m'a hein? sidérée. C'est le médicament. Mais ce n'est pas possible. Mon mari, il a fallu du temps et du temps pour qu'on puisse avoir, il nous reste même 5 minutes de bonheur. Mon mari n'arrivait plus à bonder. Et je lui ai dit, maintenant, on va faire comment? Comme tu ne payes pas le loyer et que moi, je me bats pour qu'on garde cette maison, alors tu vas sortir. Il a dit jamais. De toute façon, je me prépare pour aller au Cameroun. Je vais partir dès la rentrée scolaire, je pars et je te laisse avec tes enfants. Et avant de partir quelques jours plus tard, il a dit de toutes les façons, je vais voir comment tu vas faire pour t'en sortir avec tes enfants, payer toutes les dettes qu'il y a à payer ici. De toutes les façons,
Une chose est sûre, on sait que essaye de venir au Cameroun, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te traîner par les cheveux. Je vais t'humilier là-bas comme on t'a jamais humilié. Et en ce qui te concerne, je sais qu'ici en France, tu vas finir folle. Quand tu vas crever, je viendrai voir tes enfants, on ira t'enterrer. C'est ce qu'il m'a dit, les dernières paroles qu'il a dit avant de partir. Donc voilà un peu en gros ce que j'ai vécu. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, quand il fait descendre la marchandise au pays, c'est cette fille qui fait la livraison, c'est elle qui récupère l'argent. Alors qu'en fait, même lui qui est mon propre mari n'a jamais investi, il ne reste qu'un centime dans son commerce. C'est mes 7 000 euros là qui font aujourd'hui que le commerce là est devenu grand et que c'est transformé en société. Et là, quand j'ai appris que c'est cette fille qui livre aujourd'hui les produits, c'est elle qui s'occupe, c'est elle qui gère maintenant, en fait, elle gère tout. Ça m'a fait une déchirure, je me suis effondrée par terre, c'est mes enfants qui m'ont relevée. Après, les filles, elles ont commencé à pleurer avec moi. Parce qu'on a un garçon, le premier, il a 18 ans, la deuxième, elle a 16 ans, la troisième, elle a 14 ans, et la petite dernière a 8 ans. Et c'est les enfants qui m'ont ramassée maintenant par terre. Donc aujourd'hui, personnellement, Maflo, si j'ai fait appel à toi, je veux parler à la population camerounaise. C'est vrai, il m'a répété plusieurs fois que je ne suis pas une Camerounaise, que si j'arrive là-bas, je vais me faire massacrer. Et si j'ai la chance de m'en sortir vivante, ça veut dire que je ne dois plus jamais y retourner. Je fais appel à la communauté camerounaise, aux autorités camerounaises. Je veux justice. Parce que personnellement, ça ne se fait pas. Moi, j'ai aimé ce pays comme j'ai aimé mon mari. C'est pour cela que j'ai accepté de donner, de mettre mes rêves là-bas, de tout faire là-bas. C'est par amour que je l'ai fait. Je fais appel aux autorités camerounaises. Je veux justice, je veux réparation. Je veux que cette maison soit vendue et que mon mari me donne la moitié de cette maison. Ou bien il n'a qu'à le diviser. C'est 700 mètres carrés habitables. C'est sur 3 niveaux. Le niveau qu'il a fait pour les enfants, qu'il me donne ça avec mes enfants et on se débrouille avec. Soit il partage avec moi, soit personnellement j'ai envie de l'attaquer en justice au Cameroun. C'est vrai que pour l'instant je n'ai pas les moyens, je n'ai même pas de quoi me payer un billet d'avion, mais personnellement je fais appel à tout Camerounais qui peut me donner un coup de main, juste par compassion pour une mère qui souffre, qui est abandonnée aujourd'hui, qu'on m'aide. Et aussi je sais que Eto c'est le père des Camerounais, je fais appel à Eto, je veux justice pour ma cause, je veux qu'on me rende justice parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Aujourd'hui, je suis malade. Je suis malade. En plus, il m'a traité d'handicapé avant de partir. J'ai un problème de colonne vertébrale. J'ai fait 4 césariennes pour cet homme. Et aujourd'hui, il me traite d'handicapé, bon à rien. Je demande justice et je demande l'aide de Etofis parce que c'est quelqu'un que je respecte et que j'admire. Je veux qu'on me rende justice parce que ce n'est pas juste. Je suis une femme africaine. Pour moi, l'Afrique, c'est l'Afrique. J'ai choisi le Cameroun pour investir. J'ai laissé la Sierra Leone. Et je veux que les Camerounais me considèrent comme leur fille, leur sœur. C'est pour cela que j'ai fait ce direct aujourd'hui avec toi. Mon Dieu, comment je suis alors? Merde, c'est pas possible. Raconte-nous un peu comment tu as vécu avec cet homme en Europe, en fait. Comment ça se passait? Bon, est-ce qu'il a de la famille ici? Est-ce qu'il a des frères? Oui. Je sais pas, je veux que oui. Tu... Si, si, il y a sa mère qui est là, il y a ses frères et soeurs. Une famille adorable, même quand je suis partie au Cameroun, pareil. Franchement, c'est une famille qui m'aime énormément. Ça, je ne peux pas vous mentir là-dessus. En fait, ma belle-mère, elle ne me considère même pas comme sa belle-fille, elle me considère comme sa fille. Mes belles-sœurs, alors, on a une de ces relations tellement magnifiques. Au jour d'aujourd'hui, ils ne parlent pas à sa famille parce qu'elles ont pris position pour moi. Ils ne leur parlent pas. Il a dit à sa propre mère, ne m'appelle plus jamais, comme c'est comme ça, ne m'appelez pas, oubliez-moi. Sa mère a dit, d'accord, sois heureux mon fils. Mais en tout cas, moi, il est hors de question que je participe à ça. C'est ça qui me donne un peu la force.
Et il refuse de prendre soin des enfants financièrement, alors que c'est lui qui a tout nous finance à Douala là-bas. C'est lui qui a tout nous finance. Tout notre commerce, c'est là-bas. Tout ce qu'on gagne, c'est au Cameroun. Il refuse catégoriquement de m'aider par rapport aux enfants et de continuer à payer le loyer. Il refuse. Il a dit, de toute façon, je vais voir comment tu vas faire. Espèce de saleté de merde. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit que tu as beaucoup fait pour cette famille. Tu les as hébergés tous. Tu les as beaucoup aidés. Moi, j'attends quand tu vas finir de parler parce que je sais qu'il y a des choses que tu n'oseras pas dire. Mais moi, je vais tout dire et je vais ouvrir la ligne parce qu'il y a des gens qui vous connaissent, qui souhaitent vraiment parler de votre problème, qui souhaitent vraiment parler de votre vie. Les gens qui vous connaissent, ils vont intervenir en anonymat. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, qui souhaitent donner leur point de vue. Mais je te laisse encore nous parler. Est-ce qu'il a des sœurs ici? Est-ce que, je ne sais pas, parce que 20 ans de vie quand même comme ça, tu n'as pas vu venir que ce monsieur, est-ce qu'il a eu à te faire des reproches? Je ne sais pas, tu n'as rien vu venir comme ça? Non, mais personnellement, je ne vais pas vous mentir qu'il m'a toujours trompée. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci, mais comme toutes les femmes. Mais là, en fait, là, c'est le bouquet final, en fait. Là, c'est le bouquet final. Et là, finalement, il a montré son vrai visage parce qu'il n'a plus besoin de moi. Mais en ce qui concerne la famille, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur la famille parce que c'est les gens vraiment qui sont comme de ma famille. Ils n'ont jamais fait la différence. Ils m'ont tant aimé, ils m'ont donné tellement d'amour. Et il y a certaines choses qui s'est passées auparavant que je veux pas en parler parce que ça, c'est le passé. Et on s'est tous rendu compte qu'en fait, s'il y avait parfois des soucis, c'est à cause de mon mari, c'est lui qui s'aimait la zizanie. Mais ça, on s'est demandé pardon et on s'est réconcilié. Et depuis, franchement, tout va bien. Il y a certaines choses que je ne veux pas en parler et j'aimerais bien que les gens respectent ça. Ceux qui vont venir témoigner, qui disent qu'ils nous connaissent, j'aimerais bien qu'ils respectent certaines choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, hein. Personnellement, mon histoire, c'est un peu comme un film. Mais bon, il y a des choses que je n'ai pas J'aurais envie de appris dire. qu'à un moment donné, ça n'allait pas entre vous. Tu es même allé vivre en Angleterre. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, à un moment donné. Mais je n'ai même pas fait qu'aller vivre en Angleterre. J'avais fait une tentative de suicide. Ça, j'étais encore assez jeune. J'ai fait une tentative de suicide. Et suite à ça, il m'a dit, si tu passais, j'allais brûler ton corps, tu n'allais pas avoir de tombe. Et c'est ça qui m'a réveillée, en fait. C'est cette colère qui m'a réveillée. Je suis partie m'installer en Angleterre avec mes enfants. 8 mois plus tard, tout se passait très bien. On était vraiment très bien installés. Et je ne sais pas comment il a fait pour me baratiner, me faire entrer encore en France. C'est pas possible. Comment un homme peut insulter la mère de ses enfants à ce point? C'est pas possible. Comment on peut être aussi méchant même en parole? Tu peux même continuer à la mentir, lui faire croire que tu l'aimes, que de lui dire des mots comme ça méchants. Moi, je ne sais pas comment la justice camerounaise, il y a des gens qui vont peut-être dire, les gens qui vont dire comment ça va se passer, parce que comme vous êtes marié en France et que tout au Cameroun a son nom, si la justice, si tu prouves peut-être que vous avez des biens là-bas, tout ça, tu demandes, enfin, c'est aux gens de voir si tu vas demander le divorce, c'est à toi de voir, et qu'ils te donnent ta part. Qu'ils te donnent ta part, la maison elle est grande. J'ai vu, j'ai reçu les photos par un anonyme, hein, une personne qui a dit, bah écoute, voilà les photos que je t'envoie. Le monsieur, il est même à la terrasse. C'est une personne, c'est toujours les gens du quartier à Bonabéry, hein. Oui. Oui, tout Bonabéry nous connaît, hein, tout, parce que moi j'ai vécu là-bas pendant un an et 2 mois. Donc tout Bonabéry me connaît. C'est pour cela que ces derniers temps-là, tout ce qui se passe, les gens ils m'appellent, les gens qui me connaissent, ils m'appellent pour me dire. Donc, c'est aujourd'hui qu'il vient voir, il vient t'annoncer que ton nom n'est pas sur les papiers, en fait. Non, je savais que mon nom n'était pas sur le papier parce que la période où on est parti acheter le terrain, mettre mon nom sur le papier, en fait, ça allait être compliqué parce qu'avec la nationalité française, ça allait être un peu compliqué. Il C'est t'a pour cela que, menti. bon, Il t'a menti. je me suis pas restée, en fait, je suis pas restée dessus, en fait. J'ai dit, c'est pas grave, on achète et on part. Il t'a menti. Tu pouvais tout mettre son nom. Il a raconté du n'importe quoi. Les Français achètent bien les maisons au Cameroun.
Ce qu'il a raconté là, c'est du vraiment. C'était quelqu'un qui a donc prémédité son coup depuis. Il savait qu'un jour, un jour, il allait aller chercher sa soeur au village pour se marier avec. Oui, ça c'est vrai, c'était prémédité parce que c'est tout ce qui. Mais ce qui est drôle et aberrant dans l'histoire, en fait, il a dit ça devant ses enfants. Ils ne se rendent même pas compte, moi je comprends même pas. Il aurait pu attendre qu'on soit deux. Mais comment tu peux dire devant tes enfants Parce que que la de fille toute du pays façon, l'a déjà celui. tellement tourné le cerveau qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Ah. Ma sœur, là, on parle d'un homme qui est tellement dur. Même les membres de sa famille peuvent confirmer. En fait, on ne s'attendait pas qu'un jour, ça pouvait lui arriver, en fait. On ne s'attendait pas. Quand j'ai ouvert la valise, j'ai trouvé les vêtements de cette fille. J'étais choquée parce que moi, mon mari ne m'a jamais acheté des habits. Quand j'ai trouvé des vêtements sexy dans la valise, les vêtements, chaussures, sac à main, j'ai tout brûlé, hein, de toute façon, rien n'est parti au Cameroun. Mais j'étais sous le choc. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc, tu sais t'occuper d'une femme pour une fois de ta vie? Il faut voir comment la fille, c'est une jeune fille, elle est même très, je ne sais même pas si elle a même 20 ans. Elle a 27 ans. Elle a trois enfants de trois pères différents. Adama. Elle travaillait Adama. dans une cave. Mon mari est parti la Donc, racheter elle dans une travaille cave dans la boîte de là-bas. nuit. Il a ramassé une fille des bars. Elle travaille au bar. Ce n'est Oui. pas la cave, c'est le bar. Le bar, hein? Trois enfants, D'accord. trois pères. Comme elle est aussi bafane comme lui. Il a une fois dit que voici la femme de ma vie. N'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas tout ça là. Mais personnellement, ma maison, c'est non. C'est non, j'ai trop souffert, non. Je peux pas. Je peux pas. Je peux Quand pas. tu Je veux que ce pourras, soit moi je vais, vendu ce que je ou vais te bien. dire, c'est que quand tu pourras, il faudra aller au Cameroun, tu entres, tu t'installes, le quartier verra, il ne peut rien te faire. Tu entres, tu t'assois dans cette maison. Et tu alertes d'abord les autorités, tu alertes tout le quartier à Bonabiri. Tu viens t'asseoir dans ta maison que tu as. Tu as le droit de dormir dans cette maison. Tu as le droit tu as le droit de vivre dans cette maison. Tu entres, tu t'assois. Ils te menacent que quoi? Pourquoi vous les hommes camerounais, vous êtes comme ça? Vraiment. Vous vous êtes marié sur le régime de bien commun, je ne sais pas comment ça s'appelle même là. Oui, bien comment. Bien commun. Donc, tu as ta part, maman, ne te dérange même pas. Ce qu'il fait là, il tape ses mains la bouche. Quand il va s'asseoir comme ça, que les dieux du village vont commencer à le bastonner la nuit, tu vas comprendre. Il ne peut pas. Vraiment. C'est incroyable, hein? Ça fait mal, hein? Moi, j'ai vu ta vidéo. Moi, je vois hein, comment tu pleures et tout. Franchement, c'est un choc. J'ai le cœur en miettes. J'ai le cœur en miettes. Et surtout quand j'ai appris hier qu'il a atterri samedi et dimanche matin, il est parti dans notre quartier. Il marchait avec elle, main dans la main. Et ils sont partis déjeuner là-bas et tout. Là, non, mais franchement, j'ai eu une de ces déchirures. Parce que je me souviens quand il m'a dit qu'un jour, on devait aller se balader main dans la main à Bonabéré, après s'asseoir, prendre notre petit déjeuner. Venir sur notre terrasse et prendre, siroter notre petit café et rigoler ensemble parce qu'on a beaucoup souffert. Beaucoup, que ce soit lui ou moi, on s'est beaucoup sacrifié. Énormément. Les hommes, comment vous faire confiance à l'homme maintenant? Regardez alors. Regardez alors. Quand vous voyez les gens comme les Marthe Chopin refuser le mariage, c'est les choses comme ça. Comment tu peux investir avec un homme? Il te fait ça. Ce sont les gens du Cameroun qui appellent. Tu ne prends pas encore. Est-ce que tu veux parler encore ou tu vas attendre que les gens appellent? Je vais laisser la parole aux autres, mais pour ceux qui me connaissent très bien, il y a certains sujets que je ne veux pas. D'accord. D'accord. Ok, ça marche. À tout de suite. Ça fait combien de temps que je suis en direct là? Attendez, je vérifie.
On va couper et on va continuer jusqu'à maintenant les appels, ok? Parce que quand c'est trop long, quand le live est trop long, la publicité, après il n'y aura pas la publicité. Ouais. Comment quelqu'un appelle déjà tout de suite comme ça? Attendez d'abord un peu, non? La ligne n'est pas encore ouverte. Attendez d'abord. Ne soyez pas pressé. Papa, pourquoi tu fais ça? Change ton cœur sur cette femme. Hey, papa, je ne dis pas que les femmes qui ont les trois enfants, toi, père, ou c'est toi, mère, ou c'est les cinq enfants, cinq pères, n'ont pas le droit au mariage. Oh. Ouais, attendez, non. Les gens appellent. Attendez d'abord un peu. Je vais regarder. Ça fait combien de temps je suis en live là, s'il vous plaît? Il faut que je coupe, je relance. Je mets le numéro. Quelqu'un peut écrire le nombre de temps que ça fait que je suis en live, s'il vous plaît. On va couper. N'y a personne qui écrit. Comme je vois les commentaires en retard, je vais regarder moi-même. Ça fait peut-être 1h11 minutes, non? C'est pas, je voulais voir combien de temps je suis en direct. 51, ok. Ça fait 50 quelque chose de minutes. Je vais couper, je vais relancer et puis efface la photo. Oui, j'ai effacé. J'ai effacé. La fille, oui, j'ai effacé la photo. On va couper. Ma faut tu ne bois plus. L'histoire, si tu peux regarder ça sans boire, maman. Tu peux pas regarder ça sans boire. Les filles, ce que je veux vous dire, c'est que n'investissez pas avec un homme sans être sûr qu'il y a votre nom. Mieux, chacun ait d'abord sa part. Chacun doit chercher d'abord sa part. Parce que la façon que le type, c'est l'ongrimba qui tourne son cerveau. Ça, c'est l'ongrimba qui tourne le cerveau de monsieur là. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je peux vous dire qu'il est aveuglé. Il est jusqu'à ce qu'il se couche au lit pour la nia, il n'arrive pas, maman. Les filles là, vous donnez quoi aux hommes des gens? Les filles du pays là. Vous donnez quoi aux maris des gens? Qu'un homme arrive comme ça là, il avait sa femme, il ne fait que penser à tout ce qu'il n'arrive pas à se mettre debout. Pardon, Marthe, il faut que tu on aide là. Il faut que ma belle, il faut qu'on aide là. Il faut qu'on l'aide. C'est grave ça. Mais j'ai envie de demander que vous les hommes là, si un homme conçoit la maison une femme, demain, la femme là prend un autre homme, elle vient s'asseoir dans la maison. Vous allez vous sentir comment? Ce que j'ai envie de dire, c'est que parlons les choses terre à terre. Si c'est que le type là ne vend pas la maison pour donner sa part, elle prend le caterpillar. Elle voyage, elle calcule quand le monsieur en baigne. Elle part au pays avec le caterpillar. Elle casse les bêtises, elle jette au sol. On a vu quelqu'un faire ça là-bas à Lopom, non? À Basson là-bas. Quelqu'un a fait ça à Basson? Oui. Grand-mère Italie. Je vous appelle. Je vais couper. On va mettre la ligne. OK? À tout de suite.